Retour aux sources pour Laetitia Hallyday. La veuve de Johnny Hallyday a mis le cap sur son surnatal. Direction la région de Sète et de Marseillan. À son arrivée, elle a publié plusieurs photos de la mère et de ses proches. Poser ses valises au bord de l'eau, vivre au rythme des navigations et contempler le nuage de mouettes qui escorte les thoniers et les chalutiers, écrit Laetitia Hallyday. Sur une autre série de clichés, on voit la belle posée au bras de son compagnon Jalil Lesper, sur un ponton, tout sourire. La maman de Jade et Joe y porte un jean blanc, une chemise à carreaux blanches et bleus et a les cheveux noués. Sur une deuxième photo, elle apparaît avec son amie Sylviane Destaya, puis avec sa fille Joy Hallyday. Si est-il toujours aussi salutaire de revenir aux racines. Je suis toujours aussi transporté par la beauté de cette région, les terres de mon enfance ici quand on prend une pause et qu'on se promène dans les villages, l'étang de Tha ou sur la jetée du port de Marseillan, ou sur le port de Sète, chaque coin de rue où il y a une intensité incroyable, écrit Laetitia Hallyday, transportée par cet instant. Dans les loges de l'Amencia avec André Boudou dans l'Hérault, Laetitia Hallyday a retrouvé son père, André Boudou. L'homme tient la célèbre boîte de nuit l'Amencia, institution des nuits endiablées. Et pour la saison post-coronavirus, la programmation est de taille. Samedi 10 juillet, André Boudou recevait ainsi la star DJ Snake au platine. Dans les loges, Jalil Lesper et Laetitia Hallyday ont rencontré la vedette de la soirée. Sur un cliché publié par la boîte de nuit, on aperçoit André Boudou, Jalil Lesper et Laetitia Hallyday, photographiés de profil ou de dos, échanger quelques mots avec DJ Snake. Après DJ Snake, nul doute que Laetitia Hallyday ira rendre visite à l'une des personnes les plus importantes dans sa vie, sa grand-mère, Eliette Boudou, qui réside à Agde. Avant de s'envoler, mi-juillet, à Saint-Barth avec Jalil Lesper, ses filles et les enfants du comédien.